Salut à tous et à toutes, c'est Toupicat et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du Wofu de Side 2 Band of Thieves, donc toujours sur PS2. Et donc dans la vidéo précédente on avait terminé donc l'épisode 3 et là nous allons entamer l'épisode 4 qui s'appelle Dans la prison. Donc sur ce je vous laisse sur la cinématique d'intro et on se retrouve juste après, à tout de suite. Après une semaine passée à glaner des infos, je découvris enfin où mes amis étaient enfermés. Ils se trouvaient dans les mystérieuses tours de Prague. Ils sont actuellement les hôtes forcés de la gardienne de prison la plus connue d'Interpol, la comtesse. Alors qu'elle n'était qu'une étudiante en criminologie, elle était tombée sous le charme d'un riche aristocrate qu'elle avait épousé. Malheureusement, leur romance fut courte, car le général mourut étrangement quelques semaines après leur union. La comtesse, forte de ses connaissances et de sa toute nouvelle fortune, ouvrit un centre de réhabilitation pour criminels. Sa technique révolutionnaire d'hypnothérapie fut un véritable succès, ce qui lui permit d'obtenir une place de choix au sein d'Interpol. Mes amis sont enfermés dans cette fameuse clinique. Et ils vont bientôt subir le lavage de cerveau de la comtesse. Si je ne les sors pas vite de là, ils vont devenir de bons et honnêtes citoyens. Et je les perdrai pour toujours. Bentley save the gang in jailbreak, ou dans la prison. Donc voilà, c'est un épisode assez spécial parce que vous pouvez voir que Bentley se retrouve seul face à l'adversité pour sauver ses amis. Donc c'est une partie du jeu assez quand même plus noire que les autres. Hein. Donc comme vous pouvez voir, l'affichage est en 4 tiers. C'est parce que j'ai trouvé de nouveaux réglages. Enfin bon, donc là il y a vraiment les vraies dimensions du jeu parce qu'en 16:9 je voyais bien que c'était quand même bien écrasé. Et en plus j'ai le nouveau driver que Opoge a mis en place, qui permet de passer les vidéos directement sur Vegas sans se faire chier à faire des modifs. Voilà, tout simplement. Donc on a bombe soporifique, montée d'adrénaline, c'est très très pratique pour Bentley. Faudra s'acheter après. Donc là il n'y a que Bentley dans la planque et donc on le prend et on sort. La maison de la comtesse sans plus attendre. Donc où est-ce qu'on doit aller? La comtesse espionnée. Donc, je vais pas faire la mission des bouteilles tout de suite. Je vais attendre d'avoir Sly. Parce qu'avec Bentley, on peut vraiment pas aller où on veut. Oh putain, regarde. Tiens, il est mort. Pas encore, putain. Ah, explose. Moi, je me casse. Alors, désolé si je parlais un petit peu du nez, mais c'est. J'étais encore un peu malade et donc du coup je prends toujours un petit peu du nez. Je suis désolé. Oh putain, c'est pas le bon bouton. Ah, c'est quoi tous ces ennemis? Oh la vache. Tiens. Hop. Putain, c'est quoi ces petites araignées là? Je ramasse des pièces. Hop. Ouf. Voilà. On se casse vite fait. Alors par contre... Oh putain! Ah! Oh merde! Oh là là là! Pas possible! Où les lasers? Où les lasers? Enfin, c'est pas des lasers, c'est des rayons! Putain! Ah! Super! Alors, qu'est-ce que j'ai comme power-up? Ouais. Oh là là, c'est pas possible! Quasiment plus de vie! Bon, alors comment je fais pour aller là-bas? Faudrait que je prenne le pont là-bas, mais je sais pas du tout comment y accéder. C'est bien ça le problème? Putain, je fais vraiment pas gaffe, moi. Ouais, je suis encore pas mal enrhumé, mais... Oh putain, allez, c'est pas possible. Je suis nul, vraiment. Voilà.
Oh putain, le tank. Oh là là, merde. Oh non, je vais pas mourir. Vite. Oh, une bouteille en plus. Ça c'est fait. Oh putain, oh putain. Ou que je le sens pas. Oh là là. Toi, dégage. Faut que j'atteigne. Attends, là, faut que je saute ici. Bentley, il est vraiment pas très très pratique pour ce qui est de la... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Ou non. Ou non. Ou non. Oh putain. Il y avait de la vie. Oui. Ah. Faut me grimper en haut, donc attention ici, parce que ce sont des pièges, donc il ne faut pas marcher dessus. Vous voyez, si les ennemis montent, ils vont se faire choper par les pieds. Sauf que je vois pas où je vais. Ah. Cassez-vous. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je suis très très mal barré. Bon. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Hein? Comment on fait pour aller là? Oula. Ah. On peut aller par là. D'accord. Alors vite, je vais aller sur l'hologramme, comme ça. Voilà, enfin. La comtesse est sortie pour faire sa ronde. Attends un peu. Les plumes de mes fléchettes captent les ondes sonores. Si je maintiens une bonne position au sommet de cette parabole, je devrais pouvoir entendre cette fréquence de loin. C'est génial. Si j'atteins la comtesse avec mes fléchettes, j'arriverai à entendre absolument tout ce qu'elle dit. Et j'apprendrai même peut-être où se trouvent Sly et Murray. Donc voilà, pour pouvoir espionner la comtesse, en fait, on va devoir lui lancer des fléchettes. Alors, là... Faut savoir qu'elle se déplace, vu que c'est une araignée. Là... Ouais, c'est bon. Le gang de Clao est démantelé. Les livraisons d'épices sont saisies. Ah, je ne m'en serais jamais mêlé si j'avais su qu'il serait si facile de mettre ce plan à mal. Au moins, le gang de Cooper est hors d'état de nuire. Eux et leur moralité grotesque ne font pas le poids face à l'égoïsme humain inhérent. Enfin, ils ne vont pas tarder à rentrer dans le rang. Quoi, elle veut leur faire subir un lavage de cerveau pour qu'ils deviennent de bons et honnêtes citoyens, comme dirait Bentley, et... Alors que ce sont des voleurs, et donc du coup, s'ils leur font un lavage de cerveau, ils ne vont plus se souvenir de Bentley. Elle est là. Ouais, c'est bon. Ces idiots d'Interpol, ils m'envoient leurs criminels, et moi je gagne de l'argent. Comment personne n'y a pensé avant? Hypnotiser des criminels et les forcer à me révéler où se cache leur trésor. Je suis géniale. Si seulement j'avais plus d'épices pour accélérer l'hypnose. Alors... Et là-bas... Raté. Elle se déplace assez vite. Là où elle est le plus facile d'atteindre, c'est en haut. Hein. Ouais. Fichu gang de Cooper. Le plus gros, comment s'appelle-t-il? Murray, c'est ça, Murray. Il sera ma première victime. Quelques séances sur son esprit faible devraient me suffire pour apprendre où le gang a dissimulé les richesses accumulées au cours de ces années. En plus, elle veut leur les faire parler pour trouver où sont les richesses, etc. C'est vraiment une garce, hein, comme dirait Bentley. Elle était là-bas trop tard. Hop. Ah merde. J'ai raté parce que j'avais appuyé sans faire exprès. Du coup, tant que ça recharge. Putain, elle est encore. Oh, mais merde. Oh là là. Sur le côté, c'est vraiment chaud. Bon. Elle va repartir, voilà. Avec la caméra inversée, c'est vrai que c'est assez chaud. Ouais. Ce Sly Cooper. Quel esprit rebelle. Tortueux. Futé. Un mois ou deux passés au trou devrait le calmer. Laissez-le croupir semaine après semaine. Il sait bien que les gardes ont tous des détecteurs de mouvement et qu'il ne peut rien faire. La réalité de sa captivité va lui sauter aux yeux. Alors, il sera tout à moi. Je n'en reviens pas. Ce n'est même pas un véritable docteur.
C'est de loin le crime le plus atroce que j'ai jamais vu. Hypnotiser des détenus pour leur faire révéler l'endroit où est caché leur butin. Ce monstre déshonore à la fois les forces de l'ordre et les voleurs. Je dois absolument trouver un moyen de faire sortir Sly du trou. Et voilà, première mission donc avec Bentley accomplie. Et 32% du jeu de fait. Alors, où faut-il aller? Oula, l'autre bout de la ville, détournement de train. Donc apparemment on a un plan pour sauver Sly. Et je vais me faire niquer parce que j'ai quasiment plus de vie. Donc je sens que je vais me faire avoir. Hop. Oh putain, je l'avais pas vu. Tu vas faire trompette? Eh ben va faire trompette, va. Va mon enfant. Donc les bouteilles, je les récupérerai après, comme ça vous aurez tout. Alors dans la seconde vidéo, je pense, donc de cet épisode, la vidéo numéro 16, puisque là c'est la 15e. Allez, on se casse. Faut que j'aille tout à l'autre bout. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler un petit peu de mes projets, parce que là, j'ai un gros projet, donc c'est de... On va bientôt déménager. En début février, normalement, en vacances de février, on a déménagé, donc avec une connexion internet beaucoup moins rapide, et donc du coup, pendant un petit moment, c'est possible que vous n'ayez pas de vidéo. Mais donc, j'ai comme projet, enfin, je me suis acheté Skyrim, donc sur Xbox, et j'ai comme projet, alors si ça vous plaît, hein, de faire un let's play dessus, donc let's play de Skyrim, que vous aurez la semaine où habituellement je ne mets pas de vidéo. Voilà, donc ce sera des vidéos assez courtes, hein, environ d'une vingtaine de minutes. Alors là, il y en a qui vont dire ouais, tu copies Bob Lennon, en plus tu fais des vidéos courtes, mais c'est juste pour que je puisse les mettre quand j'ai ma connexion internet minable. Comme ça, je pourrais vous proposer des vidéos les deux semaines, alors que bah, normalement j'en mettais qu'une semaine sur deux. Voilà, moi je pense que moi je pense que ça vous plaira, je vais quand même le faire, puis voilà, donc ce sera sur Xbox évidemment. Et voilà, donc on va démarrer la mission. Cet ordinateur fait partie du système de contrôle du train électromagnétique. Si je pirate les terminaux le long des voies ferrées, je pourrais inverser leur polarité et transformer le train en un projectile géant. Aucun doute, l'impact formera une énorme brèche dans le mur de la prison, et Sly pourra s'échapper. Et donc voilà, on doit faire dérailler le train, que j'ai fait me prendre dans la gueule d'ailleurs, en piratant les ordinateurs. Donc c'est la première phase. Merde! Putain, j'avais un pied sans rond, ça avait pas marché. Ah! Oh non! Oh non! Oh non! La vache! Bon sang. Ah! Et voilà. Un beau fail. Ah, il était beau ce fail, hein. Il était très très beau. Ah mon dieu. Donc c'est la première phase de piratage du jeu, je crois, hein. Je sais pas. Voilà, on appuie sur rond et là ça marche. Tout là ça marchait pas. Ah, rien ne vaut un bon piratage informatique. Le joystick analogique gauche devrait contrôler mon cyber avatar. Et donc on est au contrôle d'une espèce de petite cyber tank. Et donc on doit dans des phases comme ça progresser pour arriver à la fin du niveau. C'est une séquence quand même assez sympa. Moi j'aime bien, même si des fois elles sont un petit peu chiantes parce qu'elles sont parfois assez dures. Mais moi en général j'aime bien. Faut éviter leur tir tout en leur tirant dessus. Voilà. Et là, faut tout simplement aller dans le truc, comme ça valide. Et vous augmentez la vitesse du train. Premier terminal. Le train devrait prendre de la vitesse. Vite avant que le train arrive. Sinon il va vous faucher littéralement comme... Comme je sais pas, tu vois. Alors.
Vous avez une jauge de vie, donc ne vous faites pas trop toucher. Voilà, comme ça, par exemple. Donc voilà, quand je reparle de Skyrim, j'espère que ça vous plaira. Enfin, en tout cas, ça ne pourra être que mieux, quoi. Alors, ce sera vraiment quelque chose de très très long qui s'étirera vraiment sur la longueur. Alors, j'essaierai quand même de pas trop faire comme les autres, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même beaucoup de playthrough de Skyrim, tout ça. Et donc, ce sera vu que je connais quasiment rien au RPG et à Skyrim en particulier, ben, ce sera vos commentaires, vos commentaires qui me diront en fait. Avec vos conseils, ce sont vos commentaires donc qui me feront avancer dans l'aventure. Vous pourrez me proposer des choses à faire dans l'aventure. Et comme ça, je les ferai. Donc du coup, j'ai pensé, voilà, ça fera un peu une aventure à votre image, j'ai envie de dire. Vous aurez un peu votre part. J'ai failli me faire choper. Vous aurez un peu votre part de l'aventure, quoi, tout simplement. Donc moi, je pense que ça pourrait être sympa, vraiment. Voilà, donc je vais commencer ça, je l'aurai mardi normalement. Je vais commencer ça jeudi. Alors ceux-là, ces petits vaisseaux, ce sont des trucs qui vont sortir à l'infini. Qui sont assez chiants parce qu'ils sont très rapides. Et donc là vous tirez pour foncer ça. Pour défoncer les espèces de murs. Oulala, commencez à en avoir un peu trop. Hop, merde. Et hop, on rentre là, voilà. Donc là, on voit que la vitesse du train a quand même beaucoup augmenté. Bon, je passe par là, je suis obligé. J'espère que le train va pas arriver. Oh putain! Et merde! Oh non, c'est pas possible. Super. Ah, j'en étais sûr que ça allait m'arriver un coup comme ça, j'en étais sûr et certain. Alors là, peut-être que sur la capture, je vois, j'avais un petit peu baissé la saturation des couleurs par rapport à l'autre fois, parce que, hop, je passe ça. Parce que c'était peut-être pas super, j'ai trouvé. Et là, je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu trop baissé, en fait. Oh putain, mais non! Oh non! Oh, j'y allais justement de l'autre côté, puis le train passe juste à ce moment-là. Je suis vraiment qu'un noob, hein, je suis désolé. Oh là là. Bon, on va attendre qu'il passe. Voilà, on y va. Parce que je savais pas où il était, donc du coup je me suis mis sur le côté. Puis il est là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, faut savoir que les petits rouges ne tirent pas, mais par contre ils vous foncent dessus, et donc s'ils vous touchent, vous perdrez de la vie, évidemment. Là où la voie. Et détruisez-vous, donc. C'est quand même beaucoup mieux par rapport aux phases de piratage que celle de Sly Raccoon, hein, enfin du premier Sly, qui était quand même assez dur et pas très très bien réalisé, surtout au niveau de la jouabilité. D'ailleurs, il n'y en avait qu'une seule phase de piratage dans le premier Saracos, c'était tout à la fin. J'en ai fait d'ailleurs le walkthrough, hein, de Saracos, mais c'est juste que j'avais mis sur Dailymotion avant. Et j'ai pas trop eu envie de le refaire sur YouTube, putain. Alors par contre, il est possible que quand j'aurai fini la trilogie, c'est-à-dire Sai 2, Sai 3, que je vous remette en ligne les épisodes de Saracos, ou alors non. Mieux que je refasse le Wanku Saracoon parce qu'il dure pas longtemps, ça fait une dizaine de vidéos à peu près. Donc je le referai peut-être. Il est où le truc là? Ouh putain! Oh, c'est pas possible. Mais je vois pas où il est, c'est pour ça que j'avais pas la flèche. Bizarre. Ah. Et ouais, mais là je suis obligé de passer par la. Par ici. Ah ouais, voilà, faut se cacher vraiment sur le côté quand il arrive. Voilà. Bah, il est là.
Après, il nous en reste plus qu'un. Oula, c'est quoi les oranges là? D'accord. En fait, ce sont des comme des rouges et qui se déplacent et qui sont assez résistants. Voilà, c'est des rouges qui se déplacent. Allez. Oula. Oula, oula, oula. Merde, 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 merde. Je vais me faire toucher. Bah oui, de me faire toucher, oui. Ça peut être détourné, ça encore. Hein. Putain. Voilà, j'espère que ça vous plaira, Skyrim. Ce sera un petit peu comme un... Merde. Et voilà, je me suis fait avoir. Comme j'ai envie de dire, un petit... Un espèce de fil conducteur entre mes vidéos, vous voyez. Et comme ça, et donc la semaine normale, j'ai envie de dire, je continuerai à mettre mes vidéos habituelles, donc le Wakusai 2 dans Saved. D'ailleurs, là, je vais faire ce week-end deux vidéos de Saved 2. Vous aurez normalement l'épisode 5 des 5 survivants qui arrivera. Et puis après, je vais me mettre surtout sur le Wakusai dans Saved pour pouvoir le finir, parce que j'ai vraiment envie de le finir. Et je vais mettre un petit peu plus l'accent sur les Wakus parce que là c'est vrai j'avais fait pas mal de vidéos différentes, etc. Là je vais me remettre à fond sur les Wakus, je vais essayer de faire pas mal plus de vidéos. Surtout pendant les vacances de février, je vais voir si je pourrais, normalement ça devrait être... Je vais faire quand même un petit peu plus de vidéos que d'habitude. Hop, allez. Voilà. Donc, il nous reste... Oh putain! Ah non, j'ai cru. La lumière, j'ai cru que c'était le train. Oh putain, le tank! Le tank! J'espère qu'il n'y a pas de train qui. Ah, d'accord. J'allais dire, je vais espérer qu'il n'y a pas de train qui passe. Comme ça, je peux passer sur la ligne. Mais voilà, je me suis fait choper comme d'habitude. Et le dernier. On va essayer de faire dérailler le train donc. Et hop, c'est parti. Donc là, on a tout. Là. On a des rouges, des... Qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, ça, c'est une mauvaise idée. Ah, bon, faut activer les... Faut passer dans les trucs verts, comme ça, on débloque les deux portes. Faut en même temps enlever les... L'espèce de sécurité rouge, là. Oula. Allez. Voilà, c'est bon. Après, on vient là. On l'active. Aïe, aïe, aïe. On passe. Et voilà. Quelle superbe trajectoire. Et voilà, mission accomplie pour Bentley. Et 33% du jeu. Alors donc on en a encore une et j'en suis à combien? À la fin de 3 minutes de vidéo, j'ai encore le temps d'en faire une. Bombardement du mur. Allez, je vais faire celle-là. Putain. Et voilà, et voilà. Oh merde. Oh là là. Oula. Cours. Cours, Forest. Ah bah c'est juste là. Et hop. Les gardes sont tous munis d'un système de détecteur de mouvement. Sly ne pourra jamais s'évader. À moins que je ne m'occupe d'eux avec mon hélicommandé. Donc voilà, il va falloir s'occuper des gardes avec l'hélicommandé, putain. Attention, les gars, vous en repérez, putain. Et on lâche des bombes avec croix, donc faut juste défoncer les gardes, putain, la vache. Mais qu'est-ce qu'il m'envoie là? Faut vraiment faire que des détours et des virevoltes. Putain, mais c'est quasiment impossible à éviter ce qu'ils envoient. Allez hop, voilà, ça, c'est bon. Faites vraiment que des tours, des détours comme ça. Merde. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon. Hop.
Donc pour les éviter ces missiles, hein, vous faites un... Vous allez tout droit, puis hop, vous faites une espèce de demi-tour assez rapide. Toi, tu vas mourir. Oula. Ouh, putain. Faut pas que je perde de la vie maintenant. Oh, la vache. Ouf. Et tiens. Non, tiens. Voilà. Et voilà, ça il peut enfin sortir. Sly, tu me reçois? Ta voix sensuelle m'a drôlement manqué. Et garde tes compliments pour plus tard. Tu vois le crochet sur le train? Oui. C'est ta seule porte de sortie. Saute et appuie sur la touche cercle pour t'accrocher. Puis, balance-toi vers l'arrière du train. Nous avons un nouveau refuge. J'ai déjà téléchargé ces coordonnées GPS dans ton binocop. Rendez-vous là-bas. Waouh, t'as vraiment pensé à tout. Ça t'étonne? Non, c'est vrai. Merci de m'avoir libéré. Oh, bah, tu connais le vieux proverbe. On ne reconnaît ses amis que s'ils peuvent vous faire sortir de prison. Ça n'a jamais été aussi vrai, mon ami. Donc voilà, on doit retourner au refuge. Alors on grimpe ici, hop. On saute là, on passe par là, c'est pareil. Donc faut retourner au refuge. Et voilà, je fail. Donc on a déjà Side de libérer. Donc dans la prochaine vidéo, je vais... Putain de caméra. Je vais chercher les bouteilles donc avec Side. Et ensuite, bah, je ferai la suite des missions. Qui s'est déjà fait repérer. Donc bah, voilà, on va arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je crois qu'il va y avoir un petit plan ici. On va rentrer, voilà. Et mission accomplie. Et 34% du jeu. Ok, voici la situation. Après de longues heures de recherche, j'ai découvert que Murray était enfermé dans une cellule du bloc D. Ça va être dur de le faire sortir. Comme tu le sais, la discrétion n'est pas son fort. Et d'abord, nous devrons le mettre dans une cellule isolée, loin des autres détenus. Puis, tu devras trouver un échantillon de l'algorithme de codage de la comtesse. T'en fais pas, je t'expliquerai plus tard. Après, il faudra subtiliser quelques clés à la comtesse. Mais fais attention à ses nombreux gardes du corps. Enfin, tu devras désactiver son robot d'attaque géant. Non, vraiment, Sly, je suis sérieux. La comtesse a bien un robot d'attaque géant qui ressemble à une tour d'eau. Une fois que tu auras mené à bien tous ces objectifs, on pourra libérer notre grand gaillard. Et donc voilà, dans la prochaine vidéo, récupération des bouteilles et sauvetage de Murray. Donc moi je vous dis salut à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc eh bien, bientôt pour Skyrim. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà. Allez, à la prochaine tout le monde et portez-vous bien.